Nous vous disons merci. Et donc, nous avons fait un peu de une communication importante, pas beaucoup plus en béton, mais avant toute chose, parce que vous nous avez dit, Ngolo Yenz, moi aussi, Foumou Yabeto, nous avons fait un peu de guider le passage. On va chanter comme ceci. Assiste-nous, esprit, assiste-nous, esprit. Assiste-nous, esprit, assiste-nous, esprit, dans notre vie, le serviteur du Christ. Assiste-nous, esprit, oh, assiste-nous, esprit, oh, assiste-nous, esprit, assiste-nous, esprit. Le tout au nom puissant de notre Seigneur et notre Dieu. Qui aime le Francis Fabo? Amen. 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 Dieu. Merci. Mon ke tonda, nakumba papa aimé, ma frère, ma soeur Nyonso, pour la mobilisation que vous avez démontrée. Na Nyonso me concerné, que vous tout kanasika nzambi, yamfumu ya beto nenenene. Que ce soit une mort à gauche, que ce soit une mort à droite, pour nous qui prions ce qui est vrai, le tout relève d'abord de la volonté de Dieu. Et donc, merci pour votre mobilisation, parce que vous savez que les responsables viennent encore du lieu de la veille, actuellement vous êtes rendus là-bas, pour un acte encore, et certainement que ça ne va pas s'arrêter là, selon la façon dont Dieu va nous mettre en mouvement, nous allons y arriver. Franchement, hier était une très mauvaise journée pour moi, parce que à la morgue, j'ai été très peiné, parce que, contrairement à ce que les gens disent, c'est une longue histoire avec notre gros chef qui est parti, c'est une longue histoire. Et dans cette histoire, je crois qu'il y a beaucoup plus de positif que de négatif. C'est quand on dit que dans le cœur de chacun de nous, il n'y a que chacun de nous qui sent. Et le retour d'un membre confirmé auprès de Dieu, Papa lui nous a longtemps donné quelques enseignements là-dessus. La guérison de votre frère est un miracle. C'est l'expression qu'il a utilisée. La guérison de votre frère est un miracle. Et je lui ai dit oui, c'est un miracle. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Et la veille de son retour vers Dieu, il m'a écrit sur WhatsApp et nous avons échangé. Et dans la soirée, quand je suis allé dormir, eh bien, toute la nuit, c'est lui que j'ai vu. Et le matin, quand je me suis levé, j'ai dit au jeune homme qui habite chez nous, j'ai dit, Wangu, il va nous arriver quelque chose, une information de très très compliquée aujourd'hui. Et généralement, avec Papa Ténor, on s'écrit sur WhatsApp. Quand on s'appelle de façon directe, ça veut dire que l'information est très importante. Et Papa Ténor m'a appelé, il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. En tout cas, je n'ai pas travaillé ce jour-là. Et voilà. C'est arrivé, c'est arrivé. Si c'est un coup dur pour les uns, c'est peut-être plus dur pour nous, contrairement à ce que les uns et les autres pensent. Et la qualité d'un frère, c'est dans la démonstration de son amour devant toutes les situations. Mais quand vous avez des frères qui se mettent à interpréter les morts des autres, c'est très dangereux. Les retours de Dieu, chez Dieu, de chacun de nous, c'est la volonté de Dieu. Quand nous autres, Papa Ténor, Papa Mabika, Papa Maloumi, nous qui avons les voitures, quand nous démarrons le moteur de notre voiture pour sortir, on ne sait même pas ce que nous allons rencontrer, ou une part, ou une crevaison. Donc déjà là,
ce qui est pratique, nous ne maîtrisons pas. Donc on ne peut pas prétendre maîtriser ce qui nous dépasse. Et Papa Ténor est témoin. Nous avons eu cette semaine beaucoup de témoignages. Et je ne peux pas dire que c'est le hasard, parce que tous les témoignages concordent. Il est là, les témoignages. C'est des témoignages pour la plupart qui sont enregistrés. De nos frères à nous, Ngunza, voilà. Et ce matin, j'ai appris aussi qu'il y a un gros choc de Brazza. Tout à l'heure, j'ai appris qu'un gros choc de Brazza venait de perdre aussi sa femme. Je transmets la même compassion. Parce que nous tous, nous allons passer par là. Parce que va toujours arriver ce moment d'aller vers Dieu. Donc vraiment, pour le climat dans nos sections, j'encourage les uns et les autres à ne jamais s'associer à des gens pour lesquels j'appelle qu'ils cherchent simplement un devoir, c'est un besoin d'exister. Moi, j'appelle ça un besoin d'exister. Mais ceux qui ont cherché à voir les Moirats hier, ils ont vu les Moirats qui se portent très, très, très bien. C'est la seule réponse qu'on peut leur donner. Donc, ne nous associons pas à ce genre de choses. Le seul témoignage que nous avons vis-à-vis de tout ce qu'on peut dire contre nous, c'est de démontrer que nous sommes là pour faire la volonté de qui est mille fois. C'est tout. Mettons la famille dans la prière, parce qu'en pareille circonstance, il y a beaucoup de tentatives de récupération. Il y a beaucoup de tentatives de récupération. Et c'est mettre la famille dans la prière pour que, et les enfants, et la sœur, demain après-demain, nous tous nous sommes passés par là. Merci à tous ceux qui ont compris. Franchement, bien que touché, mais j'ai été reconforté hier en voyant la présence des frères et sœurs et l'organisation qui a été mise en place. Frères et sœurs, membres confirmés, il fallait bien que je vous appelle ce soir au nom de Papa Émile. Parce que nous estimons que ni Beno, Moutfanavanaka, Naï, Nayanzam, Kessalake, Kimvuka Kwen Namantoa. Aujourd'hui, frères et sœurs, il n'y a aucun membre confirmé qui fait l'effort de suivre Papa Émile, qui ignore la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes engagés pour défendre le nom de Guy Emile Oufa Setikwabo, défendre la doctrine de Papa Guy Emile Oufa Setikwabo et défendre la mission de Papa Guy Emile Oufa Setikwabo. Voilà. C'est ce à quoi nous sommes engagés aujourd'hui. Et je vous appelle pour vous dire ceci, frères et sœurs, soyez les porte-parole de ce que je vais vous dire ce soir. Moi, votre pauvre président adjoint, depuis des années, je vous parle, pas de ce qui sort de moi, mais je vous parle de ce qui est le Guy Emile Oufa. Et aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas se lever pour dire que je vous ai trompé, je vous ai dérouté, ou ceci ou cela. Je suis celui que vous connaissez, avec mes manquements, avec mes défauts, avec mes erreurs. Malheureusement, beaucoup aiment voir en moi ce que je suis en tant que terrien comme tout le monde. Comme les gens ont vu les Noé. Je ne suis pas Noé, je ne peux pas me comparer à Noé. Noé est plus grand que moi. Mais si quelque part, les gens avaient raté, c'est parce que quand Noé leur donne le message de Dieu, ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas les prédispositions pour comprendre le message de Dieu. Mais il voit la vie de Noé et dit, est-ce que de Noé, quelque chose de bien peut sortir? Dieu a choisi des choses simples pour confondre l'intelligence des hommes. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire aujourd'hui, au nom de Papa, si je mens, vous reviendrez vers moi dans les jours à venir pour dire, Papa Mikoumi, tu as menti. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, au nom de Papa Émile, si certains trouvent qu'il amuse encore, nous allons vivre ça dans les jours à venir. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Peuple de Dieu,
L'humanité a tellement blagué avec le nom de Guy Émile Louvois, c'est Dieu, que le moment est venu pour lui de démontrer aux gens qui il est véritablement. Retenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Le 10 juin 2021 au Mont Ararat. D'aucuns ont dit, ouais, la puissance de Guy Émile Louvois, c'est quoi, bon? D'autres ont renchéri, mais où se trouve-t-il? D'autres ont encore dit, mais s'il était Dieu, pourquoi il n'a pas fait ceci? Le moment est venu, vous allez vivre les choses, frères et sœurs. Je vous le dis aujourd'hui, si je vous mens, je ne suis pas un fou pour appeler des élus de Dieu, des membres confirmés, et venir vous raconter des histoires. Attention. Parce qu'on dit seulement dans un hôpital, par exemple, quand un membre confirmé arrive, tout le monde, tous les satans là, tremblent. Mais imaginez, donc je veux vous appeler, vous les membres confirmés comme ça, pour venir vous distraire, pour venir vous mentir. Il y a un seul Dieu, créateur de l'humanité tout entière. Quel que soit ce que les gens pensent, ils disent, et il s'appelle Guy Émile Louvois, c'est Dieu. Et c'est le monde de ténèbres qui s'est levé pour chercher, comme ça a été le cas avec le peuple d'Israël. Comme ça a été le cas avec le peuple d'Israël, ce sont les enfants d'Israël sauvés par Dieu qui se sont retournés encore contre Dieu lui-même. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mes frères et sœurs, retenez ce que je veux vous dire. Il y a des gens qui vont subir la colère de Dieu. Parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient faire telle chose, et Dieu va les voir parce que Dieu est notre ami, parce que Dieu est notre camarade. Papa me dit, Papa Mikungi, va, dis-le au peuple de Dieu. Dis au peuple de Dieu que le moment est venu. Pour ceux qui ont compris la nécessité de la mission, il reste peu de temps. Je vous le dis aujourd'hui, il reste peu de temps. Nous allons bientôt sortir de cette situation. Mais pour sortir de cette situation, il faut que le monde soit éprouvé jusqu'à la puissance suprême. Pour dire que même la puissance suprême ne peut rien contre qui est mis le foi. C'est quoi? Parce que si ça s'arrête là, 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 les gens vont dire non, on pouvait encore arriver là. Faut que ça arrive là où les gens veulent que ça arrive. Et c'est là où Dieu dit, bon, vous êtes arrivé là-bas. Est-ce que ma mission a plus fin? Non. Est-ce que je ne suis plus Dieu? Non, c'est ça. Quand j'entends les gens épiloguer, beaucoup de gens qui se laissent perdre par les choses de la terre aujourd'hui, quand maintenant que l'heure a sonné, quand Papa Mille dit, Sogumut Kessos à Rousse, il y a des gens qui parlent de ça comme ça, hein, sans comprendre. Mais nous avons recueilli ces derniers jours des témoignages forts. Moi, votre président adjoint, j'ai le souci des enfants des autres, des maris des autres, des femmes des autres. C'est pour ça qu'il y a des choses que je reçois moi, que je ne peux pas dire. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'est des choses qui m'instruisent d'abord moi-même. C'est des choses qui m'instruisent moi-même. Donc, le grand message, c'est que le jour-là, à partir d'aujourd'hui, ceux qui ne vont pas se conformer à la volonté de Papa Émile, tant pis pour eux s'ils vivent ce qu'ils vont vivre. Tant pis, dit Dieu. Vous avez dit Dieu est amour, oui. Mais Dieu est amour. Est-ce que cela nous donne le droit d'aller froisser le nom de ce Dieu à longueur de journée? De quel droit? Frères et sœurs, aujourd'hui on parle de trois groupes. On parle d'un groupe qu'on dit la Yachi. On parle d'un groupe qu'on dit après-émile et on parle de nous. Que ce soit la Yahshi ou l'autre groupe après-émile, c'est les groupes qui ne vivent pas. Pour vous dire la vérité. Qui ne vivent pas. Le seul groupe qui vit dans toute la plénitude du terme, ce sont les monts Arara. Mais ça, c'est une preuve. C'est la preuve qui suffit pour convaincre aux uns et aux autres. Parce que Dieu dit, c'est par les signes aussi que vous allez reconnaître lesquels appartiennent à Dieu. On nous a mis au monde pour aider l'humanité souffrante. Et maintenant, pour aller propager les vérités divines de l'heure dans le monde, non. C'est tout. C'est tout.
Et si vous avez compris ça, qu'est-ce qui va se passer entre nous? Il va se passer qu'on va être souvent en prière, qu'on va être souvent en méditation. Il faut garder la flamme. Pointe Noire, félicitations. L'intérieur du pays, félicitations, mais encore un travail à faire. Les sections doivent se réveiller. Voyez un jeune frère qu'on appelle Touyou Touyou Armin. Il se promène vidéo à l'appui, note à l'appui, audio à l'appui. Il arrive à Ouesso. Il rencontre un frère, le frère là lui dit au cours d'une discussion, mais tu es de quel zone? De Mikungi, le magicien. Il a dit, frère, magicien, attends, tu es où? Attends, je descends. Il est allé chez eux. Vidéo, tout. Et le frère là, il entend le grand maître s'adresser à moi. Il dit, oh, papa Emile s'est déjà adressé à lui. Et aujourd'hui, Touyou a créé le mont Ararat de Ouesso. Un seul inspecteur spirituel est. Bon, maintenant vous et nous. Tana, si la mort nous attrape, maintenant il faut être prêt devant Dieu. Si Dieu va dire, mais tu avais telle fonction, qu'est-ce que tu as fait? Frères et sœurs, il ne faut jamais vivre du lundi au samedi et n'avoir rien fait pour Dieu, pour venir seulement dimanche à la séance. Ce n'est pas bon. Quand tu viens dimanche à la séance, il faut être content de ce que tu as fait pour Dieu du lundi au. Il y en a qui vont dire, non, j'étais pris par le boulot. Mais si tu travailles, le souffle du boulot, là, c'est Dieu qui t'a donné. Frères et sœurs, le message que je vous donne, à beaucoup vont encore écrire, dire, ah, Charles ou Keba, qu'est-ce qu'il a encore fait, oh ceci, c'est pas grave. Mais Dieu m'a dit, va dire au peuple de Dieu, tous ceux qui ont froissé mon nom, ils vont, s'ils ne se repentent pas, le moment est venu de rendre des. C'est ce que je suis venu vous dire. Vous me croyez, c'est bon. Vous ne me croyez pas aussi? C'est bon. Le seul qui connaît nos cœurs, c'est Dieu. Même la femme, le mari qui partage le même lieu que toi, tu ne sais pas. Peut-être que depuis que dans le zoné, les sorciers, tu ne sais pas. Les enfants, vous ne savez pas, votre papa et maman, ils sont dans les communes depuis. Mais les dimanches, c'est eux les premiers à vous dire, allons à la prière. Mais c'est eux les premiers à vous bloquer. Vous ne vous mariez pas, vous n'allez pas, vous ne résistez pas dans l'école. Ne pas travailler. Et nous sommes tous ensemble. Les vrais combattants de Satan ne peuvent pas aller là où Satan a déjà acquis. Ils ne peuvent venir que là où il y a encore Dieu. Donc il faut comprendre que s'il y a un milieu où Satan peut envoyer les combattants de combattants, c'est notre milieu. Parce que ailleurs c'est déjà acquis. Ailleurs c'est gagné. Donc vous voyez ce pasteur-là, qui a été pasteur à Abidjan. Je rentre de Matimou, il m'appelle au téléphone, je garde la voiture. J'ai pris ce numéro-là, RTL, je voulais parler à Papa Charles. Je dis, mais c'est moi. Il dit, ah, c'est vous-même. Vous n'avez pas un secrétaire qui répond aux appels comme chez nous. Je dis, oh, c'est mon téléphone. Il n'a pas besoin de secrétaire. Il dit, ah, mais vous êtes simple. Je dis, comme Guy Emile. Quand je le rencontre, enfin. Donc, à Matimou, sur la route, j'étais permis. Ce que je dis là, il a répété devant Hermès. Il dit, j'ai un grand témoignage, il faut que je me libère. Il faut que je me libère de ce témoignage-là. Et ça va vous sauver aussi. Je dis, bon, je rentre à Dolisie ce soir. Et je rentre à Dolisie maintenant et à Pointe-Noire ce soir. Donc demain, je vous vois. J'ai appelé Papa Ténor, j'ai dit, ah, envoie-moi quelqu'un pour filmer. C'est la RT aussi qui est venue. J'ai dit, ah, comme on ne connaît pas encore. Ah, toi aussi tu es venu. Comme on ne connaît pas encore s'il accepte la caméra ou pas. Donc, on a laissé la caméra avec lui et la sœur, une sœur là, de la RTA, et j'ai pris Hermès. Nous avons suivi les indications du monsieur, nous sommes arrivés. Le monsieur nous a dit d'abord, peut-être que vous ne connaissez pas, il nous a montré le prospectus de ce qu'il fait, des séminaires, il nous a parlé un peu de lui. Et il dit ceci, il confirme le royaume de Dieu au Congo, il faut que ça soit une réalité et une vérité. Il avait les documents qu'il nous a donnés. Et il dit, je confirme pas ça par trois passages du livre, c'est les trois passages du livre que nous connaissons déjà. Il donne les trois passages du livre. Il dit, moi, dans sa façon à lui de penser avec Dieu, d'être avec Dieu, il étudie les numéros. C'est-à-dire que lui, il étudie les numéros. Hein. Bon, tu sais, nous sommes dans le zolo, nous prenons la vie ici. Bon, lui là où il est, il fait aussi ce qu'il veut. Et il dit que le nom de chacun de nous correspond à un numéro. Et il dit,
Il a étudié le foie. Ça correspond à un numéro. Non. Guy correspond à un numéro. Émile à un numéro. Maintenant, Loufoi donne un numéro qui va être marié à un autre. Donc, on ne peut pas utiliser Loufoi seul. Il faut utiliser Loufoi, c'est quoi? Comprenez déjà par là. Qu'on ne peut pas utiliser Loufoi seul, il faut utiliser Loufoi, c'est quoi? Et Guy, Émile Loufoi, c'est quoi? Dans sa numérologie qui nous a démontré dans le papier, donne 884. Donc, 884, c'est le nom caché de Guy, Émile Loufoi, c'est quoi? 1. Il développe 15 avril 1983. Il donne aussi la signification. Il dit maintenant le 83 là va donner maintenant les noms des personnes qui sont chargées sous Papa Émile de conduire de telle année à telle année son association. Mais le plus important, là où je suis rentré à la maison, j'ai acheté une bouteille de vin et j'ai fini plus de l'heure. C'est-à-dire presque toute la bouteille, je suis allé dormir. J'étais très content. En 2007, papa Émile me dit, si j'hésite de faire goûter la cassette là parce qu'elle est, elle est délicate. Mais je crois que j'ai commencé à faire écouter ça à deux personnes. Je crois que papa Témoin et papa Isaac, je vais vous faire écouter ça aussi. C'est la partie la plus importante du témoignage du monsieur. En 2007, papa Émile me fait une cassette, il dit, Maman du Kungile Mkwayao, bébé Mbumbaya. Mais il y a peut-être le temps, vous avez ça dans le peuple. Mais l'air que peut être signal. Ça concerne maintenant le Congo Brazzaville. C'est un témoignage qui concerne le Congo Brazzaville. Donc quand on écoutait avec la soeur, c'était passé. Maintenant, parmi tant de confidences, je me souviens plus de cette confidence. Sauf quand les gens disaient, ah non, il risque d'arriver aussi au Congo ici. Moi, j'ai rigolé pour moi. Parce que je dis, j'ai confiance en ce que papa dit. Ah, vas-y. Maintenant, la troisième partie du témoignage de ce monsieur-là, c'est ça. Sur le Congo, papa Trésor Rico est là. Papa, si tu peux te lever. Je t'ai fait lire la dernière partie, là, oui ou non. C'est grave ou c'est pas grave? Très grave. Parce que quand on a mis ça sur les réseaux sociaux, les gens disent, oh, ils sont allés encore. C'est la première fois, papa Ténon, qu'on va voir quelqu'un qui nous appelle et qui nous paye le déplacement. C'est la plus rare chez moi. Donc en partant, il dit ça c'est votre déplacement. Donc en fait, il voulait simplement prouver que je n'ai rien là. Ah, okay. Voilà. Et la partie là, c'est la partie la plus grave que c'est difficile de vous expliquer ça. Et là, je me dis, ah, papa il avait dit, quand le moment va, je dis, mais c'est ce qu'il avait dit au monsieur là. Bon, regardez un peu. Ce monsieur ne vit pas avec nous. Il n'a aucun intérêt aussi. Parce qu'on lui a posé la question de savoir, est-ce qu'on peut citer votre nom? Mon nom est écrit dans. Sur le papier que je vous donne, mon nom est écrit. Et on a promis revenir avec lui pour faire une émission. Parce qu'il va démontrer comment papa Émile l'a fait vivre pour arriver à voir ce message. Et il a dit que en fait, quand on cherche à enlever le 884, c'est dans la même continuité de chercher à tuer. Qui est venu le voir, c'est ce qu'il a dit, c'est pareil. Mais que les gens montrent, que les gens descendent, que les gens fassent très attention. C'est là où nous en sommes. Beaucoup d'entre nous, nous avons transformé les conflits personnels et nous les avons amenés au niveau de l'Ouzolo. Et en fait, ce n'est plus l'Ouzolo et Papa Émile que nous défendons, mais c'est parce qu'on a eu un problème. Tu as eu un problème avec Papa Mikungi, bon, tu ne veux pas être du côté d'eux. Tu as eu un problème avec papa Timba Robert. Ah bon, voilà. Que cette soeur qui était venue me voir pour se plaindre du père de son enfant, qui avait promis de l'épouser, il n'a pu épouser, il est reparti avec la première. Voilà, voilà, voilà. Et moi, quand je dis, maman, tu étais la première ou non? Tu étais quoi? La deuxième, hein, oui. Ah, mais quand je lui fais cette sensibilisation, après, elle est allée à Vungua. Elle a dit, je ne peux pas supporter le. Bon, est-ce qu'elle est partie pour défendre Guillaume? Bon, mais nous autres qui sommes restés, il faut enlever l'assurance que nous qui sommes restés, nous sommes en Guillaume. Tous, je vous dis non. Tous ne sommes pas en Guillaume. Il y en a qui ont juste honte de leur femme et leurs enfants. Que leur femme et leurs enfants ne les voient pas être à. Mais regardez dans les faits. Quand il y a les faits, vous savez qui est avec eux, qui n'est pas avec eux. C'est facile de connaître. Nous avons cette force, mais
Satan a compris ça, c'est pour ça qu'il a mis au milieu de nous des gens qui sont là en train de nous divertir à tout moment. Quand on veut atteindre ce niveau, regardez aujourd'hui, notre télé aurait pu atteindre Canal 5. Mais si on rentre au Canal 5 aujourd'hui, Boalmenyenga, même notre RTA, là, si elle était suivie à Brazza, beaucoup de frères, regardez le frère de Wesso, qui ne savait même pas que le grand maître m'a décédé, il ne savait même pas. Il y a un frère là qui m'a dit, fils de Lucifer, fils de Satan, je connais ta fiche. Moi, j'ai pris carrément l'audio où le grand maître dit, ah, papa Mikungi, c'est vous qu'il fallait, je l'ai mis. Et lui, il me dit, papa, est-ce que... après, celui qui m'avait insulté, il me dit, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Moi, j'ai hésité, je lui ai donné, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis le frère Intel, j'utilise un faux nom sur Facebook. Mais... ah, papa, ça c'est papa Mikungi qui te parle, papa, pardon, pardon. Et aujourd'hui, il est devenu mon Ararat. Parce qu'il y a l'intox. Il y a l'intox. Je gardais ce message que je viens de vous dire. Les présents adjoints des sections qui sont ici, des sections d'arrondissement, des sous-sections, allez dire aux gens de ne plus blaguer avec Papa Emi, de ne plus jouer double jeu, de ne plus avoir double vie, de ne pas être à la rade le matin et ailleurs le soir. Faut, ceux qui sont déjà bourrés là-bas, c'est bon. Mais toi qui fais double jeu, c'est pire que ceux qui sont là-bas. Que si vous avez parmi vous des gens qui ne comprennent pas, qui sont toujours là à créer des litiges, laissez-les aller régler les litiges, ne rentrez plus dedans. Là où on sait que le solo c'est Dieu, on prie en plein air. Vous savez pourquoi on prie en plein air? C'est pour forger l'intimité de chacun avec Dieu. Parce qu'en plein air, tu n'as pas de surveillant. Donc si tu réussis à être concentré en plein air, tu as réussi l'intimité avec eux. J'ai donné l'exemple aux gens, j'ai dit nous revenons, nous étions catholiques protestants. Qui, quand tu es dans l'église, tu évites même de parler parce que tout le monde va voir que tu es en train de parler. Tu évites de manger parce que tout le monde va voir que tu es en train de mais en plein air. Nous serons puis en plein air. Donc là où dès que vous êtes déjà en plein air, on se dit tout est permis. C'est ça le grand secret. C'est ça le grand secret. Quand les gens disent à Papa Emi, mais il y a la pluie, il faut qu'on construise là où on doit être enfermé. Papa Emi disait quoi? Papa Emi disait, ben échanger, mais c'est quoi? C'est ça. Le plein air, là, c'est on te met devant tes responsabilités, devant ta propre conscience. Là, de 9h30 à 17h. C'est pour ça que vous voyez que tout ce qui est du diable est récupéré. Se retrouve dans les gardes, dans les coins. Tout ce qui est du diable est récupéré dans les sous-commissions et dans tout ça. Les papas ténors, quand ils priaient au Ghana, ils allaient deux fois au Ghana, avec papa Claise Bicamo à l'époque. Ça dit que tu. Sous commission. Aïe! Ça dit qu'ils étaient carrés, quoi. Quand tu réussis, ça, c'est l'exercice que nous. Tu sais, c'est comme un match. Je prends un exemple pour Ghana, un match de football. Quand on te mène au début, il faut chercher à égaliser et à sortir de la séance avec la vie. Te mener dans une séance, c'est quoi? Dès que tu es arrivé, le drapeau rentre. Tu es arrivé, hein? Le drapeau est déjà rentré. Il faut toujours tout faire pour être là à temps pour voir quand le drapeau de la SLA rentre là. Toi, tu dois déjà être là. Ce sont des points. C'est des matières avec des points, des coefficients. C'est là, papa me dit, quand le drapeau sort, tu vois, c'est tous ces enseignements-là qu'on doit, qu'on nous empêche de. C'est parce que c'est des petits détails qui permettent aux uns et aux autres d'évoluer dans Zilia. Maintenant, en information, vous avez suivi Maître Mbama à la télé. Vous avez suivi. Je n'ai aucun commentaire à faire. Mais j'avais dit à papa Ténor, papa laisse qu'il gagne, qu'ils évoluent. Dieu va mettre la confusion. Vous avez vu ce que a dit Maître Mbama. On vous dit sur la base du pouvoir en cassation de Tonton 2015. L'arrêt Tonton de 2019 est cassé. Nous, quand on a suivi ça la première fois, on a dit non. Donc, c'est une erreur de leur part. Ah. Mais le pouvoir de 2015, comment un pouvoir de 2015 qui va venir casser un arrêt de 2015. Et c'est le plus gros tribunal du Congo. Nous, quand on a suivi ça, on a dit ah, non, attention. On vérifie encore. Et on a demandé à l'huissier de repartir à Brazza, d'aller faire un constat. C'est-à-dire qu'on lui sort que, on appelle ça le plumitif. Parce que ce qu'on lit là à la cour, c'est ce qui est obligé d'être dans la décision. Et on a dit à l'huissier, nous avant qu'on parle, va constater si c'est vraiment ce que nous avons entendu. Et si ce que nous avons entendu, donc ça prouve que vraiment, il y a un problème. Et quel problème? C'est grave. À ce niveau-là.
Et il est arrivé, il a fait le constat, il a appelé les greffiers, il sortait le document, puisqu'ils ont le droit. Oui. Il a fait le constat, il a pris la photo, il a fait le machin. Et c'était la même mention. Sur la base du pouvoir de tonton 2015, l'arrêt de 2019 est. Or, la loi dit ceci, que en fait, on n'attaque pas les décisions de la Cour suprême, sauf dans un cas, quand il y a erreur matérielle. Et là, il y a erreur matérielle. Moi, je dis à Papa Teno, oh, Papa Teno, laisse le monde. Les gens qui se paniquent, non, moi, ça me fait les choses. Parce que je sais que ça va se coller la tête. Bon, depuis que nous avons parlé là, on attend, non? Maintenant, si l'erreur était de notre côté. Hey, minute. Bois le Zola. Bon, voilà comment le Zola ridiculise même des institutions de ce niveau-là. Maintenant, vous voyez que la fameuse décision dit que les deux parties sont renvoyées dans leur position d'avant. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nul n'a le droit d'attaquer l'autre. Maintenant, la semaine passée, on nous appelle encore au tribunal à Brazza. On arrive, non? Parce que nous, on avait introduit une requête pour ne pas payer les 50 millions. On avait introduit une requête pour le récépissé. On nous appelle, on dit, bon, les affaires sont instruites. La requête, elle était instruite depuis avril. Nous, on n'avait aucune information. Donc, eux, ils travaillaient avec ça depuis avril. Nous, on n'était pas informés. Il a fallu que notre avocat passe au cabinet. Ce n'est pas lui aussi, hein, c'est Dieu qui... On a regardé. Ok, c'est bon. L'autre requête aussi du tribunal. Alors qu'on a beaucoup de dossiers en appel, hein, depuis des années. Le 22 et le 25 de ce mois, donc on va repartir pour les requêtes. Là. Mais moi je dis ceci, frères et sœurs, c'est des choses faciles aussi à travailler. C'est-à-dire que de ce côté-là, nous sommes constitués, non? On a dit qu'en cas de... Il y a la collégialité. Et ça ne date pas seulement de ce que nous avons fait récemment, ça date de février 2017. Depuis l'Assemblée générale de février 2017, nous avions déjà décidé que si l'un de nous est appelé, c'est nous tous qui partons. Donc j'ai dit aux avocats, c'est simple. On fait une intervention volontaire. On appelle ça une intervention. Donc les 6000 machins qui ont signé la pétition, là, nous allons rentrer dans les deux procédures. Parce que nous sommes de façon collégiale. Donc j'ai demandé aux avocats de faire des interventions volontaires. On appelle ça une intervention volontaire. C'est-à-dire quand une affaire est en cours, vous avez la possibilité, si vous n'avez pas été partie prenante en première instance, et que vous avez un intérêt à y être, vous rentrez. Dans l'affaire de 50 millions, on rentre. Ah, n'attaquez pas seulement M. Mikungi, nous aussi nous sommes dedans. Là, ça sera même bien, parce qu'à 50 millions, ça sera 25. Parce que si on divise 50... Donc, j'ai demandé aux avocats de faire des interventions volontaires. Et dans le dossier du récépissé, puisque le roi David a fait une intervention volontaire, dans le dossier du récépissé, il a fait une intervention volontaire, son avocat est rentré pour dire que lui aussi soutient le 884/83. Bon, c'est ça, j'ai envoyé les documents, hein. Nous avons reçu le document seulement ce matin, mon portable. Donc dans le procès du tribunal administratif, le roi David aussi est intervenu avec le titre de prédicateur général adjoint. Il intervient. Donc, j'ai envoyé le document chez Papa Ténor tout à l'heure. Donc, chaque fois que nous allons partir à la justice à partir de maintenant, là, on fait des interventions. Il y a quelqu'un qui dit, le membre monte, hein? Donc, quand on va programmer, on va s'arranger. Sur les 6 000 au moins, 1000 personnes vont partir. Nous avons si très vite que nous avons l'exception. Tout le monde va m'attaquer sur la rail. Pour tout comme vous voulez. Donc ça, c'est simple. Papa Ténon, c'est simple. On n'a même plus à s'emmerder. On n'a pas à s'emmerder dans le truc de la requête pour le tribunal administratif. Parce que, frères et sœurs, il y a des choses qui ne vont jamais changer, que eux, ils ne changeront pas. Un, dit qu'il nous ne produira pas l'autorisation du maître pour changer le récépissé. Et ça, qu'on monte, on descend, ça ne changera. C'est pour ça que les gens voulaient changer ça avec l'argent, avec les relations. Oh, mon grand frère est. Ton grand frère a été créé par Dieu. Ne soyez pas surpris demain après demain. Le dossier de la Cour suprême, jusqu'à présent, nous n'avons jamais reçu de notification.
On ne nous a jamais envoyé la grosse depuis que c'est sorti. Jamais. Bon, maintenant que nous avons fait la requête, parce que nous avons l'avocat écrit pour dire, ah, il y a une erreur matérielle. S'ils changent ça demain, ben c'est un problème, puisque nous, on a déjà constaté que c'est comme ça. Mais c'est un grand problème. Ah, ça, c'est grave. Notre avocat de France a dit, mais bon sang, mais le service de la grève, mais il y a beaucoup de gens dans ce service de la grève. Il y en a qui sont chargés de réviser, il y en a qui sont chargés de regarder. Il y a une mission en papa et mille, vous connaissez tellement la bombe à mission en papa et mille, que quand il m'arrive même de commettre une faute, je suis malade, je suis complètement malade. Parce que je sais ce que ça me coûte en termes de l'intimité avec papa et mille. Parce qu'il y a des moments où je dis, ah, papa et mille, ça m'a dit, ça m'a encore, parce que, voilà. Papa et mille disait même pas, mais, bah, quand il va commettre, bah, il subit la tâche, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont moins. Il y a un gars, il met. Quand tu es de cet état, il faut être content parce que tu es avec Dieu. Tenons le cap. Nous sommes en direct dans le monde entier. Vraiment que les frères et sœurs du monde entier ne se découragent pas, ne se fatiguent pas. Nous sommes sur la voie. Et nous sommes proches de là. Regardez aujourd'hui, vous avez vu les obsèques hier, Papa Ténor et l'équipe, ils ont tout conduit du début à là. Moi, ça c'est mon vœu, que petit à petit, que notre génération nous se retire pour laisser la place à une génération qui a compris la vision de Dieu mille fois. Voilà. C'est parce qu'on a eu une mission conduite jusqu'à. Mais quand on va y arriver là, je compte la ferme à Mounou, la banane à Mounou. Parce que moi, je pas ma vie à moi, je compte la finir dans une ferme. Oui. C'est pour ça que quand vous viendrez, je vais vous amener dans ma ferme. Déjà, je suis heureux aujourd'hui que les gens n'aient pas pu faire ce qu'ils voulaient. Parce que vous et nous sommes restés deux. Ça, c'est la grande victoire. C'est la victoire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de victoire à chercher. La victoire est là. Parce que ce que les gens voulaient faire, ils n'ont pas pu. Voilà, c'est tout. Mais là, le cas va jouer. Ça veut dire que attention. Ça veut dire que vivre. Ça veut dire qu'il va fatiguer là-bas. Dans la situation. Lui-même, il avait dit ça dans un message. Hein. Il avait dit, ça veut dire qu'il va fatiguer. Maintenant, vous qui avez le message, faites attention. Communiquez ce message-là partout. Nous, ceux qui vont rester dans les monts Ararat, c'est l'image de l'Apocalypse, de ce petit nombre qui restera autour d'eux, de Dieu. C'est ça, le secret. C'est l'image de l'Apocalypse. Ne demandez pas la fin du monde, c'est quand hein? La fin du monde n'est peut-être pas loin. Le retour de Papa Lui pour venir diriger le grand Damas n'est peut-être pas loin.